mettre ça là. Elle est juste là. Elle est juste là. Hop là, chaton. Allez, fais miaou. Bah oui, fais miaou. Il fait miaou. Il fait miaou. Qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est vrai que ça faisait pas mal de temps que je vous l'avais pas montré. Et bien voilà, comme ça au moins c'est fait. Mais qu'est-ce que tu... Ah oui, ça tu connais pas. Eh bien ça, il connaît pas. Chaton, il connaît pas. Alors il se demande ce qui se passe, barisé. Il est vagodant. Il est vagodant. Aïe. Il est mort vraiment. Hein. Ça, c'est un truc de ouf. Hein. C'est un chat mordeur. Je sais que c'est un petit chaton mordeur. Oh que oui. Oh que oui, c'est un petit mordeur. Foiré. Foiré, c'est un petit mordeur. Ah et voilà. Comme ça, vous voyez qu'elle est en forme. Là, elle dit au revoir. Là, dis au revoir. Fais miaou. J'ai fait miaou. 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 Miaou, miaou. Fais miaou, miaou. Elle veut pas. Elle veut pas faire miaou, miaou. Bon, allez, on remet ça. On essaie de bien le recadrer. Je sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce jeu, nom de Dieu. Mais putain, comment je peux l'avoir avec mon fouet qui est même pas upgradé? Oh là 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 là, au secours! Au secours! Au secours! Aidez-moi, s'il vous plaît! Oh là là, mais ça c'est un calvaire de faire ça. Oh non, mais vraiment. Oh là 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 là. Oh putain! Oh la vache! Alors là. Je crois qu'on a trouvé le moment le plus casse-couille de tous les Castlevania ever, là. On va attendre. Allez! Ah, j'aurais dû y aller, c'est pas grave. Enfin. Je vois pas comment je peux l'avoir autrement, aux développeurs, aux éditeurs et tout. Je me disais peut-être une petite cinématique pour commencer. Mais apparemment, c'est pas le cas. Je disais donc, normalement, vous allez... J'ai vraiment un problème à la gorge en ce moment, hein. Normalement, vous allez savoir dès les premières minutes de cette démo si ce jeu peut vous plaire ou pas. Voilà. Alors, perdons pas de temps, écoutez, je n'arrête pas de blablater, je suis désolé. Alors, qu'est-ce qu'on a droit? Sélection de la langue. Alors déjà, il y a le français, ça fait plaisir. Ah mais non, je suis con, je venais juste de choisir français, oui. Je vois là, non, on prend bien les biens français. Je suis désolé. Et pourquoi? Allez, go, 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 qu'on la commence cette fichue démo. Oui. Putain, mais comment veux-tu, quoi? Putain, mais là aussi, il a fait la filée! Mais j'hallucine, pourquoi il a fait la filée? Allez, c'est pas grave, eh. Oh! C'était ce qui fait du gros ourson! C'est pas grave, on va faire comme l'autre. Oh, cette fois-ci, je vais pas... Oh, non, si je prends lui... Voilà, c'est parti, donc je fais attaquer. Donc là, il attaque, bim, bim, 3 points, 1 point, 3 points... Donc je refais l'attaque, 3 points, là il est presque mort. D'accord. Bon par contre j'espère qu'on va pas garder cette espèce de branche pourrie là. Jusqu'à la fin. Pourquoi on attaque avec une branche toute pourrie? Sans déconner, c'est même pas un bâton ce truc. Loul quoi. En même temps je vois mal Oliver se servir d'une épée, je sais pas pourquoi. Ça m'intrigue, hein. Eh si vous connaissez... Mais putain de con! Si vous connaissez le jeu, ben n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. Oh non, putain, j'ai pris la dague, je suis mort maintenant. Aïe, merde de merde de merde de merde. Oh là là, quelle malchance. Mais c'est pas possible de jouer comme ça. Oh, ouf. Il faut que je prenne provision, et il faut que je prenne un café serré. Putain, et en plus on peut choisir... Oh putain, on aura trois personnages. On aura certainement trois personnages principaux là à diriger. Hein. Oh la vache. Donc je prends Oliver, je vais mettre du café. Mettre du café. Ça fait du bien par où ça passe. Et donc maintenant je reprends. Et go. Ah putain, j'ai raté, il y avait un item, non? Saute. Mais putain, mais c'est pas possible, c'est passe-partout, ils vont me... Ouh, sérieux? Et lui, il est complètement buggé, quoi. Regardez-moi les... Mais regardez-moi ces déplacements!
Mais regardez-moi ça! Je suis Squelette Bug. Voilà, Squelette Bug, c'est lui, quoi. Il saute partout, il sort de l'écran, il revient, tu comprends pas ce qui se passe. C'est Squelette Bug, voilà. Sidérant. Regardez-moi ça. Je me fais toucher une fois, je crève. Heureusement que je sais où il y a deux poulets, hein. Putain! Lâche-toi, Minimi, là. Mais putain, je peux plus bouger! Mais... Et s'il disparaît, ça va m'énerver, je vous le dis. Allez, vas-y. Non, mais non, il s'est envolé. Ah, oh, je suis dégoûté, putain. Je voulais voir si on pouvait... Je voulais voir s'il y avait que les personnages principaux, comme Oliver ou Myrta, qui pouvaient l'utiliser. Ça m'intrigue, hein. Et si vous connaissez... Mais putain de con. Si vous connaissez le jeu, ben, n'hésitez pas à me dire, hein, ça m'intéresse. Oh non, putain, j'ai pris la dague, je suis mort maintenant. Aïe, merde. Oh là là, quelle malchance. Mais c'est pas possible de jouer comme ça. Oh. Ouf. Ah. J'ai vu qu'on allait se faire toucher. Hey, même la musique là de la world map a l'air assez énorme sans déconner. Putain, mais là c'est... Regardez-moi ça! Regardez-moi ce décor là! Oh! Je suis sur le cul là! Magnifique! Juste magnifique! Sans deck! On va prendre Minimi. Allez Minimi! Attaque-le! Attaque ce Pioupillon! Hey, leurs noms sont vraiment délire. Pioupillon! Ah, pas mal, là. Ah, là, vraiment. Ah non, là, je suis... Ah oui. Pas mal. Bon, par contre, la world map, bon, c'est joli. C'est clair, c'est joli. Couleur pastel et tout. Distance d'affichage de gros psychopathes. Mais je sais pas, je trouve ça un petit peu plat, non ? On n'a pas le temps de réarmer notre fouet. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, regardez. Hop. Putain, quel enculé ! Et lui, oh regardez-le, il va forcément me toucher, je vais rien pouvoir faire. Il saute partout, c'est n'importe nawak, il est complètement buggé, quoi. Allez, viens là, il peut même pas venir là en plus, si, il peut. Attends, peut-être que si on peut l'attirer, ah... Non ! Mais c'est pas vrai, putain, j'avais oublié qu'il repopait ! Oh, et lui, oh, il va me sauter dessus. Oh, c'est énorme, mais j'ai pas touché la manette depuis. Oh non, mais regardez, c'est phénoménal. Regardez-moi ça. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Je touche pas la manette depuis 30 secondes. Voilà, on a trouvé une position qui est inattaquable. Voilà, où le CPU ne peut pas nous toucher. Regardez, voilà. Là, on peut quand même se demander pourquoi le squelette ne vient pas à droite. Pourquoi il vient pas à droite? Bah non, le CPU, en fait, il attend que je descende et maintenant, il va venir. Et bien joué. Putain, j'en peux plus. Tu voyais, eh, voilà, là c'est le bon exemple. Vous voyez, je ne me suis pas baissé. Et pourtant, vous avez vu, il a sauté là parce que ça manque un petit peu d'épicness, si vous voyez ce que je veux dire. Carabas peut-être. Le château du roi chat. Oh, un bon gros chat. On va aller voir un bon gros chat. Ah, c'est pas mal quand même. Wow, ça a l'air magnifique encore. Nous y sommes enfin, nous sommes enfin à Carabas. Oui, on y est, mon petit Oli. Il y a eu quelques petits imprévus en chemin, je dois le reconnaître. Mais tout est bien qui a une fin. Et puis, j'avais l'intention de t'emmener voir le vieux feuillu tôt ou tard, de toute façon. Allez, on continue la chasse à la baguette. Le roi d'ici connaît un ou deux sorts. Voyons s'il peut nous aider, tu veux? Un roi, oui, le roi chat, on a dit. Un bon gros chat. D'accord, je suppose qu'on doit se diriger vers ce grand palais là-bas. Alors, go! Enfoiros. Le maître Enfoiros. Ah, le gros maître Enfoiros, il nous a eu, le gros maître Enfoiros. Bien joué. Eh ouais, eh ben voilà. Eh bien, on ne peut pas voir la ville. On ne peut pas voir le château. Ah, c'est con, parce que c'était un petit peu le gros truc, j'ai l'impression. Évidemment que je peux pas l'envoyer vers l'eau. Donc, en fait, non, je ne sais pas du tout comment on peut choper
Putain, mais je voulais tenter d'aller là-bas. Mais mort de rire. Oh, mais... C'est énorme. En plus, regardez-moi ça, il bug à moitié, quoi. Putain, mais j'en ai marre de ces trucs. Oh là là, je vais... Franchement, j'ai pété un câble avant la fin juste à cause de ça, vous savez. Juste à cause de ça. C'est horrible. C'est horrible. Mais bon, je ne dis pas non, hein. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Putain, mais toujours ça. Alors ça, c'est un truc, putain, mais avec EA, ils nous mettent toujours ce truc, quoi. Condition d'utilisation, la charte, me contacter, bien sûr. J'ai envie que EA me contacte pour me fourguer ses produits, ses infos et ses événements. Non, j'ai pas envie. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Et si je mets décliner? Décliner. Ah, attends, alors, attends, peut-être que j'ai rien dit. Peut-être qu'on peut ne pas le faire. Si vous déclinez la charte de confidentialité et conditions, vous ne pourrez pas enregistrer votre compte Origin. Putain, mais encore leur truc Origin, quoi, faut qu'ils arrêtent avec ça. Ça, c'était, mais ça, je pourrais leur mettre des baffes. Sans déconner, vous vous rendez compte de ça? Ils nous obligent à nous enregistrer sur des trucs annexes maintenant. Sinon, on peut pas jouer online. Et c'est pas les seuls à le faire, EA. Ça, c'est un truc qui se démocratise, c'est pas normal. C'est pas normal, les mecs. On achète un jeu, on a le droit de jouer sans avoir à s'enregistrer, à se créer des comptes à droite et à gauche. C'est pas normal, putain. Mais je m'en fous, donc oui, je décline, tiens. Mais c'est pas vrai, quoi. Ça, c'est un truc de teint, quoi. Puis EA, après, qui va t'envoyer leur publicité. Non, mais ça, sans déconner, ça me gonfle. Puissance 1000. Dead Space 3, la grosse particularité par rapport aux deux premiers, c'est le mode coop. Eh oui, on peut cette fois-ci se faire tout le jeu en coopération. C'est peut-être disponible dans la démo. Qu'est-ce qu'on fait? Solo ou coop? Eh, on va déjà... Ah non, mais non, je peux pas se connecter au serveur. Ah, mais merde, il va pas vouloir, du coup. Ah, je suis con. Il me remet là. Trop fort. Ah, ils sont énormes. Ah, bravo. Ah, bravo, 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 il est. Ah, d'accord. Donc, si vous faites pas ça, vous ne pourrez pas, apparemment, jouer en coop. Ok, ben écoute. Eh... Moi j'ai envie de dire, va te faire Sodome, tant pis, j'ai solo. Oh, c'est vraiment des enfoiros, malheur de chez Maître Enfoiros. Hein. Ah non, mais vraiment, 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 quoi. Allez, c'est parti, nouvelle partie, on va pas y passer la nuit. Ah. Est-ce qu'on peut choisir? Non, on est obligé de se cantonner en mode normal. Ah, pas mal du tout. Ah, j'ai été sélectionné. Mais putain. Comment perdre 82 cœurs? Comment perdre 82 cœurs? Putain. Enfoiré d'enfoiré d'enfoiré. Écoute, on va pas rester dans le menu, t'es gentil. Mais let's go. Oh, ah, nous sommes peut-être sur la fameuse planète enneigée. Oh là, j'entends des bruits pas rassurants, des espèces de bruits de lamas. Il y a des lamas. Trouver un abri pour détails. D'accord, donc on appuie sur back si on va voir les détails. Voilà. Et non, il veut plus maintenant. Putain. Traceur, appuyez sur oui, ça on le sait. Hop là, le fameux fil d'Ariane. Et pas le fil de Dorothée, hein. Attention à ne pas confondre. Oui, je sais, cette blague vient du joueur du grenier. Il m'avait fait marrer avec ça. Fil de Dorothée. Attends, je reviens sur le bac 2 secondes. Toi, hop là, nickel, c'est ça en fait. Ok, premier poulet. Je suis pas full vie, mais c'est... Oh, mais merde! Mais quel con, j'ai oublié! Je peux pas aller en haut. Putain, j'ai oublié! Putain, je devrais mettre un post-it sur la télé, quoi. Ne pas oublier de ne pas casser le bloc où il y a le poulet avant d'avoir atteint la plateforme. Ah voilà, c'est ici. C'est ici. Attention. Enculé. Merde. Je sais pas où il faut aller, c'est par là au moins. Oh putain, le con. Oh putain, attention. Surtout, on ne panique pas. On ne panique pas. Eh bien, c'est quoi ça? Attends, je lui envoie plein de... Eh bien, attendez, il y a une espèce de brouillard complètement pourri, là. Faut plutôt viser les tentacules, là, à mon avis. On va prendre notre temps. Merde, il faut que je change de... Putain, comment on fait déjà? Non! Mais putain! Comment on change de position notre arme?
Vertical, horizontal, je ne sais plus. Putain, je sais plus comment on change. Putain, j'ai crevé au premier monstre. Ça va être comique. Non, ça y est, il est mort. Il est mort. Alors, donc on recharge comme ça, ok. On va attendre qu'il revienne, on n'est pas pressé. Hop là. Voilà. Oh putain, mais reviens un peu. Oh là là, qu'est-ce qu'il est chiant. Allez, je t'attends. Allez, 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 allez. Ok, il veut pas. Il veut pas. La tenue arctique est tissée à partir de fibres synthétiques déposées par les colonies souveraines, isolant le corps des températures les plus extrêmes. Il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Non, attends. Non, tenue arctique, 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 tenue arctique. Non, il n'y en a qu'une. Ok, donc go, je change de tenue. Ah oui, je crois que dans le 2 il y avait ça aussi, pour améliorer notre combi, dans notre armure. Il se mettait comme ça dans une espèce de sas. Oh, elle est jolie, elle est... c'est cousu, hein, avec un petit peu de fourrure. Voilà, et donc c'est tout. Le poulet d'en haut ne va pas me restaurer toute ma vie. Et ça, c'est grand dommage. Attendez, permettez, je vais me mettre une baffe. Hein. Donc, j'enlève le casque parce que j'ai pas non plus envie de péter le casque. Ah, voilà, ça va mieux. Ah, ça va mieux comme ça. À mon avis, je referai plus cette connerie maintenant, voyez-vous? Ça va mieux. Non, mais sérieux, quoi. Bon, quoique, c'est pas non plus un item de merde, la croix. Bon, putain, mais ces murs invisibles me font halluciner, je vous assure, hein. Truc de ouf, hein. Petit test de lumière. Non, c'est même pas la peine, c'est évident qu'il va rien se passer. Oh! Attendez! 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 Méga mea culpa, les mecs! Alors là... Là, je crois que... Je suis obligé de me flageller. Je m'y attendais vraiment pas. Ah là, sans déconner, j'étais persuadé, mais alors persuadé qu'il se passerait rien! Vraiment, hein! Et en plus, regardez, on le fait un petit peu, ça clignote. On insiste, ça se coupe vraiment, hein. Je m'y attendais pas. Et celui-là, là par contre, non. Là, non, déconne pas. Ah ouais, là, non, hein. Et là, non plus. Eh oui, là, non plus. Non, par contre, je m'y attendais pas, dis donc. Bon, écoutez, je vais bien être gentil. Oh non, Dodio, on recommence de là, maintenant, avec nos amis. Je suis passe-partout de Fort Boyard. Jette de les casse-cou dans les traquenards. Oh, oh putain, j'ai raté le fouet. Ah, oh, génial. Comment rater l'upgrade du fouet? Avec Hooper, leçon number one. Ah, oh, mais allez, venez, arrêtez avec vos ossements. Ils sont méchants, ils sont méchants. Et arrête de reculer, mais arrête de reculer. Oh, j'ai eu la chance de me faire toucher. Mais comment il sort, lui? Loul. Où il sort, celui-là, hein? Bon, on va tenter de faire le gros kamikaze. Oui, j'ouvre. Oui, oh là 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 là, sans déconner. Eh, des sas de chargement tous les 10 mètres, quoi. Les mecs, qu'est-ce que vous m'avez fait, là? Oh. Ah oui. Ah, ils ont mis les... Bon, mais les mecs, j'ai envie de vous dire, ressortez les appareils photo. Carte postale niveau 2. C'est quoi ce truc? Dire un dragon. Bon. Allez, qu'est-ce qu'il est chiant. Oh là là, mais quel ennemi de merde, mon dieu.
Mais quel ennemi de merde! Oh là 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 là, mais jackpot sur ce squelette! Allez! Putain, on fait la danse! Non, non! Oh là, j'ai failli crever! Heureusement que les os ont été arrêtés par le scrolling. Ah, ça y est. Oh là 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 là. Ce stage va me rendre chèvre avant la fin. Donc. Mais qu'est-ce que j'ai eu là? Ah mais j'ai la montre! Attendez. Mais j'ai eu la montre là. Il me semble que ici, normalement, on a un 2. Hein? C'est-à-dire on a l'item là qui permet de balancer les items plus vite. Oh putain, attendez, j'ai la montre! J'ai la montre! J'ai la montre! J'ai la montre. Oh putain! J'ai la montre. Ne pas s'énerver. Ne pas manger la manette. Mais que foutait la montre à cet endroit? D'habitude, j'avais l'item qui me permet de balancer deux items à la fois. Et je crève juste après. Comme une espèce de méga buse. Une grosse loutre. Sidérant. Des rangs. Bon, je crois qu'on va faire un dernier coup là avant que je fasse une petite pause. Il y a des traces là. Putain, mais c'est encore pire qu'avant. Ouais. C'est pas beau là. Qu'est-ce que c'est ces conneries sans deck? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Attends, c'est encore l'établi ça. Je peux pas l'utiliser. Oh là là là, aucune interaction. Ça, sans déconner, y a pas de. Y a rien même avec ça là. Non, je suis Kimlo encore, mais qu'est-ce que. Oh là 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 là, mais mon dieu! Y a aucune interaction avec quoi que ce soit quoi. Attends. Alors, voyons, est-ce que c'était ça? Ah ouais, c'était ça. Ah ouais, il faut pas juste laisser ça. Nickel, parce que là, je vais être full vie. Oh putain, je suis bon, là, franchement. God, s'il te plaît, God, sois avec moi, s'il te plaît. Là, c'est ma chance. J'ai tout ce qu'il me faut. C'est ma chance. Je vais sur pause. Concentration. Grattage de l'oreille. Grattage de la nuque. Grattage du nez. Oh, ok. Contraction des mains. Oh, ok. Ok, là on est bon. 176 secondes. Ouh. Concentration. C'est parti. C'est une réponse digne d'un vrai hero. Mais tu dois savoir un petit détail. Après le premier combat, c'est moi qui choisis les prochains ennemis. Ah d'accord, on ne les choisit plus. Tu n'as pas à y penser et ça rajoute un peu de suspense. Fini de bavarder, passons aux choses sérieuses. D'accord, donc maintenant, il va les choisir. C'est bien ça? Oh non, c'est pas... Oh putain, non! Oh non, 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 putain, comment on fait déjà? Oh non! Non! Ah non! Non! Non, pas lui! Oh non, je déteste celui-là. Comment on fait? Oh putain, je me souviens même plus comment on fait. Ça va être catastrophique. Alors là, déjà, il faut réussir à éviter ça. Là, il faut éviter ça. J'en ai marre. Allez. Ah, ok, d'accord. On va quand même tenter. Putain. Voilà, game over. Allez, continue. On met sur pause. J'en ai marre. J'en ai marre, mais on continue. On continue, pas de problème, on continue. Ah, je suis motivé. Il est 10h05.
Non, c'est bon. La nuit ne fait que commencer, j'ai envie de dire. Vous savez quoi, si on reste... Bon, je dis pas que je vais rester toute la nuit là-dessus non plus, mais... mais bon, jusqu'à, je pense, 4-5 heures, je peux tenir. Donc, j'ai encore moyen de faire 3 bonnes grosses vidéos. Et si on fait les 3 bonnes grosses vidéos qui dureront 2 heures, 2 heures sur ce niveau, eh bien, ça durera 2 heures sur ce niveau. C'est comme ça. On fera comme ça, c'est pas grave, y a aucun problème, y a aucun souci. Allez, je coupe parce que je vois qu'on est rendu à quasiment 1h58, ça risque de bugger, de planter, vous le savez, hein, au bout de 2 heures, on sait pas trop ce qui se passe là-dedans. Donc voilà, je vous dis à de suite et je vais aller voir sur le forum, je crois que je vais aller vous mettre un petit mot, tiens. Et puis voilà, à de suite. Donc là, putain, mais y a la Wiimote qui... Regardez, j'ai la Wiimote qui bug. J'ai la Wiimote qui bug, ça y est, putain, j'ai pété un câble. Ah, je déteste ça. Comment je vais faire? Alors, il faut. Je fais ça. Allez, balance-le. Allez, vas-y, touche-moi. Pas du con. Ah, je suis mal placé en plus. Ah, c'est pire que tout ça. Voilà, ça y est, ok. Et ça, il faut réussir à le feinter. Oh putain, sérieux, c'est vraiment de la merde. Puis j'ai la Wiimote qui bug. Ok, on est back. Dans 1h45, très exactement, nouvel an. Donc je sais pas ce qu'on fera. Je sais pas si on va le passer là ensemble. Parce que j'ai quand même quelques trucs à faire, des messages à envoyer, donc je sais pas. Soit on fera une coupure, soit je garderai le casque, et puis vous m'entendrez faire mes conneries au clavier. Je sais pas. Je sais pas comment on va faire. Déjà, je finis mon Orangina. Ah. Fait du bien par où ça passe, un petit Orangina. Et ça qui est bien avec les Orangina qui ont une bouteille en verre, c'est qu'après on peut siffler dedans. Bon, j'ai pris chaton sur mes genoux parce que il a froid. Il est tout frigorifié ce chaton-là. Oh putain, j'ai cru que j'allais les passer, dis donc. Chaton, il est tout frigorifié donc il fait les petites moustaches. Il a fallu que je la mette sur mes genoux. Il est tout frileux, ce chaton-là! Oh putain, non, 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 non. Bon, ça peut encore passer. Ah l'enfoiré. T'attendais pas ça, hein? Putain, en plus! Putain, mais c'est vraiment des enfoirés, c'est une espèce de passe-partout, mais. C'est énorme, comment c'est? Énorme, putain! Oh putain, c'est génial! C'est génial! Ah, je les adore, quoi. Je les adore. Putain. En plus, avec le repop. Dû au scrolling, ça m'éclate. Alors. Ah putain, je peux pas le passer! Je vais me faire avoir là. Je prends un gros risque. Ah putain, je suis crevé en plus. Je vais me faire avoir, je vais réussir à me faire avoir! Il faut que j'aille en bas. Il faut que j'aille en bas. Je fais le con et je perds. Putain, j'ouvre même pas le châle. Je fais le con là, je joue super mal. Je vais me faire propulser avec le gros. Ici, le gros geyser venteux là. Voilà, il est où? Il est là, on va tenter de se poser sur lui, ça va être chaud. Allez, avec un petit peu d'entraînement, ça peut le faire. Vite! Je me suis planté! Ah putain! C'est pas mal, voilà, ça c'est bien joué. Ok. Oh putain, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on reste calme. Oh putain, c'est quoi ces conneries là? Non mais putain de... Première fois qu'il y en a au moins 3 comme ça dans les airs. Ne pas se nerver, ne pas se nerver, ça sert à rien. Ah bien! Et voilà! C'est la fête au village! Ça m'exaspère, mon Dieu, ça m'exaspère, faut pas savoir. Voilà, je suis devant le boss, j'ai plus de vie. Incroyable, et une fois, je suis mort. Là, voilà, on va faire rien. Imaginez si je l'ai. Ah non, il y a des trucs qui popent sur moi. Il
il pop juste au-dessus de moi, le machin, hein. Qui coulole? Qui coulole? Non mais attends, hein. Je suis bon là. Je crois que sort. Là, faut réussir à le déceler, il se planque en bas. Ah, il veut faire le petit cachalot. Il veut faire le petit cachalot, le petit margoulin. Allez, mais montre-toi, saloperie. Putain, t'as la Wiimote, je vous jure, qui part en couille. Mais c'est phénoménal, quoi. Oh, dès qu'on fait des mouvements trop amples, c'est incroyable. Incroyable comment ça part en couille. Oh putain. Allez. Putain, je suis en train de... Mais où est-ce qu'il est passé? Oh, je l'ai perdu. Je sens bien que c'est la fatigue, là. Je pouvais rien faire. Ah, c'est génial, putain. C'est génial. Je sens que c'est la fatigue. Ça, quand c'est catastrophique. Parce que si je joue moins bien, parce que je suis crevé, ça, c'est pas bon, ça. Pourtant, il est pas tard. Hein. Ouah, putain, c'est pas vrai! Mais j'en ai marre de ce passage! Oh là 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 là, mais au secours! Et voilà! Et j'ai plus de vie! Je me fais toucher une fois, je crève! Putain! Ah, c'est pour ça que je déteste ce genre de vieux jeu. Oh putain! Pourtant, celui-là, si je l'avais eu à l'époque, eh ben, je peux vous dire que j'aurais trouvé pas mal. Ah ouais! Parce que moi, franchement, j'avais des jeux sur la NES qui étaient pour beaucoup des bonnes grosses daubes. Y a rien d'autre à dire. Hein. Bah putain, mais comment tu veux? Putain. Pour l'amélioration de notre équipement, le prochain combat sera le 6ème. Ah, encore 4. Allez. Concentration, les mecs, là on peut y arriver. Honnêtement. On peut y arriver, ça me ferait bien plaisir. Oh putain, bon lui, attendez, je m'en souviens. Alors attention. Fouet. Fouet. Non, fouet. Oh, fouet. Ça y est, ok, c'est ça. Fouet. Je pense que je vais pas retenter ce coup. Non, je crois que nous n'allons pas retenter le croc du crucifix. Non. Qu'est-ce que t'en penses, chaton? Il dort. C'est un chaton ronfleur, celui-là. Franchement, n'importe quoi. Mais je fais n'importe quoi! C'est bon. Je fais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. C'est incroyable. Incroyable. Oh putain, c'est énorme. C'est énorme. Je sais pas combien d'esquives j'ai fait là. Ok. Mais pourquoi il a changé? Mais putain, pourquoi il a pris son épée? C'est fou, il prend son épée, je ne le veux pas. Je vous assure, je n'appuie pas, quoi. C'est dingue, ça. C'est parce que je dois un petit peu bouger la Wiimote, et donc il prend son épée. Mais je veux pas prendre mon épée. Ah, oh, j'ai eu de la chance, là. Mais putain! Oh, quel daube. Mais c'est fou, ça. Mais c'est dingue, ça. C'est énorme. Je prends mon épée, j'y arrive pas. Ça y est. Et allez. Je vais crever. Pourtant, c'est ça qu'il faut faire. C'est dingue. Oh putain, mais j'ai perdu trop de cœur. Je fais n'importe quoi. Pourtant, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Putain, mais cette Wiimote de merde. C'est incroyable, quoi. Sérieux. Ah, faut y jouer pour comprendre le truc. Oh putain, ça y est, seconde forme. Oh putain. J'avais Runchen Attack, tiens. Je l'aimais bien, Runchen Attack, parce qu'il y avait une bonne musique, quoi. Et je pourrais presque vous la fredonner, dis donc.
Attendez, ça faisait quoi déjà, run chain attack? Ça faisait... Non, 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 c'était pas ça. Non, run chain attack... Attendez, putain, c'était vraiment... La musique était vraiment énorme, quoi. Ouais, ça faisait un truc du genre... Ah putain, ça y est, ça me revient. Je m'en souviens pas exactement, mais c'est un truc dans ce genre-là, la musique déchire et tout. Attention, il fait le samouraï, là. Oh putain, il fait le samouraï, il fait le samouraï. C'est Monsieur Coupe-Coupe. C'est Monsieur Coupe-Coupe. Voilà, ça c'est bon. Hop là. Putain, et là par contre, je suis plutôt bien démerdé. Ah putain, juste au moment où je saute. Je suis mal, chance man, de fort boyard. Oh là là, bien. Mais est-ce que je vais le tuer? Il faut 30 coups pour le tuer. Oh, j'en peux plus, là, j'en peux plus. Oh là 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 là, c'est un calvaire. Ah non, mais je vous le dis, moi, je vois ce jeu-là, c'est un calvaire, les mecs. Putain. Oh, on m'y reprendra pas. Ah non. Là, on m'y reprendra pas. Attends, putain, mais comment tu veux esquiver ça, quoi? Ah, ça y est, attendez. J'ai trouvé une technique, là. Trouver une technique, mais elle va toujours de la droite vers la gauche. Allez, t'as ouvert. Allez, ouvre. Ok, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ok, recharge vite. Ok, c'est un peu n'importe quoi. Putain, mais on se croirait sans déconner au tir au pigeon. Regardez-moi ça. Ils arrivent à la file indienne. Mais c'est pas des aliens, ça. Putain, mais c'est une honte pour les aliens. Le jeu n'est pas vraiment pourri, mais les aliens, regardez-moi ça. C'est une montagne d'aliens. Mais c'est n'importe quoi. Ils me sautent dessus. Ah, ok. Eh, ils agissent tous exactement pareil. Mais mort de rire. Mais mort de rire. On dirait des sauterelles. Oh, je fais n'importe quoi sans déconner. Allez, on ferme là, voilà. Ça, c'est du bien joué. Oh putain, attends. Ouh la vache, ouh la vache. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il reste là? Eh bé, tu veux tirer où, abruti? C'est une porte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, ouvrir les portes, j'aurais pas dû faire ça. Attends, ah si. Attends, on est obligé. Ah si. Ah ok. Ah, oh, on a ouvert la porte qui mène à l'espace. Sans doute aspiré. Pas mal. La musique est vraiment pas mal. Et surtout quand on a le petit truc à la... Oi, 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 oi. Ah putain de merde. Fais chier. J'aurais pu y arriver full vie. Putain, je fais le con. À la Toccata, voilà, c'est ça que je cherchais. Oh, super, voilà. Génial. Et voilà. Super, j'ai plus de vie, voilà. Bouffé la moitié de ma barre de vie, juste à la fin, hein, c'était... Il était mort, voilà. Il était mort. Il a bouffé la moitié de ma barre de vie. Voilà, à la Toccata. Tun, 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 tun. Non, c'est pas ça. Là, je viens de vous faire, je crois. Et pas, je vous ai fait le thème de Simon Belmont ou Vampire Killer, j'en sais rien. Non, la Toccata, attendez, je vais sur pause. Mais la Toccata, c'est... Attendez, c'est la Toccata en moins? C'est ça le bon truc? Je crois que c'est ça, oui. Ça fait... Putain, qu'est-ce que ça fait déjà? Attendez. Laissez-moi réfléchir. Ça fait... avec l'orgue, bien sûr. Je l'adore en plus, cette musique. Qu'est-ce que ça fait déjà? Ah oui. Non, non. Merde, attendez. Ah ben je sais plus. Oh tant pis. Je sais plus exactement ce que ça fait. Enfin bref, là, à un moment, on a un petit morceau qui dure une vingtaine de secondes, une petite partie. Ben, ça me fait vraiment penser à ça. Ah putain, tu peux pas le... Ben, je suis mort. Comment tu veux que je fasse? Mais comment tu veux... Putain, mais comment tu veux, quoi? Dès que t'es pris comme ça dans ton coin, t'es mort. C'est un truc de fou. On va juste faire ça pour voir si elle est qui nous attaque. Ah ben oui, dis donc. Ah oui, eh ben dis donc, on se fait attaquer aussi par des humains.
Hein, et je n'ai toujours plus... Eh ben non, je n'ai toujours plus mon fameux fusil d'assaut. J'ai envoyé une grenade quand même pour finir. Si j'y arrive. Voyons. Voir un peu les effets des grenades. Hop. Même les grenades... Oh mon dieu. Oh non, mais attendez. Remontrez-moi ça. Oh. Alors là, sans déconner. Je crois que ça fait 15 ans que vous n'avez pas vu le truc aussi moche. J'ai bien dit 15 ans et pas 10 ans, hein. Putain. Attends, hein. Oh la vache. Par contre, ce qui fait plaisir, c'est que c'est les mêmes grenades une fois de plus que dans le film. Et nous avons gagné un grade, reçu grenade incendiaire. Ok, je pense qu'on va pouvoir améliorer tout ça. Nos armes et tout ça vont être améliorées, ça ne fait aucun doute. Écoutez, nous nous arrêtons donc ici pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis donc bye bye et à la prochaine. C'est vraiment à la fin à chaque fois, c'est dingue. Regardez, c'est à la fin. Je me fais niquer à la fin, quoi. C'est exaspérant. Bon, la mort, je veux pas être méchant, mais là tu commences à me barber, mais plus qu'un peu. Plus qu'un peu, je t'assure, hein. Sois sympa, s'il te plaît. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Bah, super, je suis tombé. Mais, pff, bah, c'est impossible. Bah, c'est impossible, putain. Oh là là, que j'en peux plus, nom de Dieu, mais que j'en peux plus, les mecs, je vous jure. Attention, pas se faire avoir par lui, on sait jamais. Et voilà, c'est pas grave. Heureusement qu'il y a notre fameux poulet en haut. Pas dramatique. Bon, par contre, là, je regarde attentivement l'horloge. Parce que dans 15 minutes... Ding dong, ding dong. La tribu Rakia versus Tigre. Avec les un en moins. Attention, tribu Rakia versus Tigre. Avec le second bonhomme. Oh putain, le con. Non, il m'attaque à moi maintenant. Saleté tigre. Désolé, mon bon. Oh putain, je suis enflammé à moi aussi, je crois, non? Non, c'est bon. Eh, il a qu'à... Eh, regardez. Eh. Voilà. Propagation du feu même sur les tentes. Pas mal, non? Moi, j'adore. Je suis désolé. On pourrait rester là pendant des heures, voyez-vous. Juste pour regarder le feu. Même si c'est pas super bien fait, qu'il y a des bugs et tout, que le feu est en 2D, j'ai l'impression. Ah oui, regardez. Les flammes, en fait, sont en 2D. Ce sont des sprites. Mais, putain, c'est un truc que je trouve vachement intéressant, en fait, moi, dans le jeu vidéo, ce genre de choses. Voilà. Même si, voilà, regardez, c'est pas super bien fait. Regardez, la tente n'a pas véritablement brûlé. Voilà, regardez, là, ça va être pareil. Je pense qu'une fois que ça sera fini, ben, finalement, les caisses, elles auront pas vraiment brûlé ni rien, quoi. Voilà. Mais je sais pas, moi ça me... j'adore quoi. Voilà, j'adore. Même les habits, voyez-vous, n'ont pas brûlé là. Voilà. Et notre lance-flamme transperce le drap, hein. Bien sûr qu'il y a des bugs, mais j'adore. Alors, regarde, oui, je vous avais même pas parlé. La faune et la flore. Donc ceci était un tigre. Quelque chose qui pète à l'écran, mais je m'attendais pas quand même à un truc qui pète autant. Là, il y avait des feux d'artifice partout. Un petit peu n'importe nawak, je crois que je vais devoir lui tirer les oreilles. Et quelques coups de fouet pour notre ami le Martialou. Et donc, bonne année à moi-même. Et bonne année à Chaton, parce que c'est un bon gros chat. Et donc, bonne année 2013 à vous, forcément, vous l'avez compris. Hein. Voilà. Allez, on est reparti. J'en peux plus, franchement, de ce niveau. Non, mais là, vraiment, je sature mes puissances 1000. Hein. Je déconne pas. Alors, ouais, c'est ça, on a été ici, putain. C'est énervant de pas y arriver, quoi. J'ai pas envie d'abandonner, quoi. J'ai pas envie d'abandonner. Là, ça n'a servi strictement à rien que j'aille choper ce poulet. Faut juste se concentrer. Honnêtement, je pense que la mort est battable. Ah, ok, d'accord, pas comme ça, par contre... Je pense que la mort... D'accord, ok, c'est génial, voilà, une fois de plus. Voilà, je vais mourir, je fais n'importe quoi. Voilà. C'est génial. J'avais 73 cœurs. Non mais... C'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression que plus le temps avance, et plus je perds mes réflexes, voilà, et plus j'ai mal à la gorge, et plus j'ai mal partout, et ça, c'est un gros problème. Parce que comment je vais faire? Si j'ai moins, si mes réflexes diminuent avec le temps,
mais voilà, c'est... Le problème est là, je pense, en fait. C'est pas un manque de volonté, c'est un manque... Ben ouais, j'ai l'impression que je régresse avec le temps, mais... les animaux. Mais, t'es, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est, ça? On dirait un tapir, non? Putain, je sais pas ce que c'est, ce truc. Attendez, on va s'approcher. Mais c'est quoi, ça, sans déconner? C'est un tapir? Ah oui, je crois que c'est un tapir, ouais. En plus, ça prend feu. Voilà, là, il souffre, mais ça... Ça se voit pas, hein. Qu'est-ce que c'est? Oh, putain! Oh, putain, le con! Non, non, je crois que je l'ai eu, je crois que j'ai réussi le QTE. Oh, putain, j'ai... Énorme. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est mort ou pas, lui? Non, il est pas mort. Énormous qui vient de se passer. Eh, je m'attendais pas du tout. Eh, du coup, on va le dépecer, même si ça ne sert à rien, hein, puisque j'ai déjà amélioré tout ce que je pouvais, et que vendre des pots, même si on peut les vendre, ça sert pas à grand-chose. Alors là, eh, voilà. Alors là, je vais vous dire un truc. Là, ce qu'on vient de vivre, je l'avais déjà vécu avant. Mais c'est très rare. En 30 heures de jeu, ça a dû m'arriver 2 ou 3 fois. C'est-à-dire que je me fasse comme ça attaquer directement par un croco ou par un requin. Ce qui donne lieu à un QTE. La première fois que j'ai eu ça... Alors lui, il a pas peur. Hein. Tout est normal. La première fois que j'ai vu ça, j'ai eu mes super peurs. J'ai sursauté. Mais comme jamais j'avais sursauté, même dans un survival horror. Voilà. Vous prenez Zombie U, vous prenez RE6... Je vous assure que rien ne m'avait fait aussi peur que ce qu'on vient de voir là. Là encore, je m'y attendais pas, mais disons que j'avais déjà vécu ça. Donc même si j'étais surpris, ok. Mais la première fois que je passais comme ça, une espèce d'étang, et que d'un seul coup, à l'écran, un crocodile énorme qui t'agrippe, et qu'en plus ça, tu dois faire un QTE. Et donc, que tu t'y attends pas à faire le QTE, parce que dans ce jeu, même s'il y a des QTE, ils sont extrêmement rares. Bon, lui, il m'énerve là. On va abréger ses souffrances, on va... Allez, on va l'exploser. Là. Là, on va lui mettre un petit peu de C4. Ok, le C4 qui a disparu, j'ai l'impression. Non. Voilà, on va le faire imploser. Voilà. Et il est pas mort, là. On est bon, là. Ouais. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est pas mal. Ouais, je vais même aller... Ça sert à rien. Pourquoi je vais là-bas? Ça ne sert à rien. J'ai 29. Non! J'ai chopé la dague! Mais... Non, mais quand est-ce qu'ils m'ont donné la dague? Quand j'ai chopé la dague? Pour une fois que j'arrive, en étant full vie, ils me filent la dague! Mais si là, il n'y a pas brisement du crâne contre le mur, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour une fois que j'arrive full vie... J'ai dû choper la dague là sans le voir en tuant l'un des chevaliers. C'est ça qu'il a dû se passer. J'ai des envies de meurtre. De meurtre. De meurtre. C'est dingue. Je peux pas crier. Qu'est-ce que j'ai mal. Qu'est-ce que j'ai mal à la gorge. J'ai envie de pleurer. Non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah ok, non mais c'est bon, je suis mort. Je suis déjà mort. Non mais putain, il faut que je fasse que je me baisse là. Et là, je te l'ai, oui, mais comment veux-tu? Mais comment veux-tu? C'est super chaud. Ah là, je suis... Ah moi, est-ce que... Ah, quoique... Putain, je suis réussi à me les faire les deux comme ça. Attendez, c'est non, il y avait plus de dague. Oulala, attendez. Eh bien, mais l'autre en bas, il a pas bougé! Putain, je m'attendais à ce qu'il bouge! Putain, j'avais bien joué, mais je la touche pas, j'avais bien joué, là! Le problème, c'est que je la touche pas, la mort! C'est ça, le truc! Mais je suis deck, si j'avais eu la croix, je l'aurais eu, j'en suis sûr! Sérieux, y'a de quoi se suicider! Y'a de quoi se suicider! Sur ce trail, si j'avais eu la croix, je l'aurais eu, j'en suis sûr! Vu comment s'est déroulé le fight, je l'aurais eu! Incroyable. Mais incroyable. Ah mais là God il est pas avec moi. Ah non. Ah non de Dieu là je peux vous le dire. God il est pas avec moi. Ça c'est certain. Hein. Incroyable ce qui s'est passé. Incroyable. Incroyable.
Laisse tomber, il faut pas que j'y pense. Parce que plus je m'énerve, et plus je joue mal. Et voilà, et plus je suis crispé, et voilà, plus je suis... Attendez, en fait, je crois qu'il était déjà mort. Ah, mais en fait, il est mort. C'est un bug. En fait, il est mort, d'accord, il est mort. Il est mort, mais il est toujours debout. Il est mort, mais en fait, il est toujours vivant. C'est un bug, voilà. Il est mort parce que, regardez, maintenir X pour dépecer l'animal. Alors, attendez, qu'est... Non, je l'ouvre alors qu'il bouge toujours la tête. Oh, c'est un petit bug. Enfin, non, vous avez vu, là, ce qui est important, c'est que regardez bien ce qui s'est passé. Ça fait partie de mes meilleurs moments parce qu'on ne s'y attend pas du tout. Je vous assure qu'on ne s'y attend pas du tout. Moi, j'ai adoré cela. Putain ! Ne pas hésiter, surtout à envoyer ça. J'aurais dû le faire. J'ai pas envoyé assez de croix. Dès qu'une croix n'est plus dans l'écran, je dois en renvoyer une. Dès qu'une croix n'est plus dans l'écran, je dois en renvoyer une. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va rentrer dans ma petite tête? Allez, le coup des passe-partout maintenant. Impossible. Ils sont impossibles à esquiver. Impossible. C'est impossible. Heureusement qu'il y a un poulet en haut. Je suis deg. Si je veux, je peux y aller. Bon, je vais pas y aller parce que je m'en fous. Ah, là, un petit peu plus compliqué. Regardez, il est là-bas, donc je vais devoir sauter. Donc, on se prépare. Hop, hop. On se met un petit peu vers le haut. Maintenant... Oh, putain, le con! Non! C'est pas vrai. Putain, je vais encore faire le gros marceau alors que d'habitude, j'y arrive très bien. Par contre, bonne nouvelle, j'ai l'impression que le jour se lève déjà. Alors ça, c'est pas mal du tout, voyons. Oh, nickel. Eh, il faut absolument que j'arrive en haut avant que le jour se lève, comme ça, je pourrais vous le montrer. Putain, vite. Regardez là-bas. En face, on voit la lune qui se baisse. Excellent. On se croirait presque dans Ocarina of Time. Bon. À moins qu'il fasse passer par là. À moins que ça soit une ruse. Non, non, c'est pas une ruse. Je lui suis juste mal pris. On recommence. Attention. Eh bien, j'ai sauté! Putain, génial, là c'est génial. Ah putain, j'ai encore joué comme une grosse buse alors que d'habitude, l'ascension de ces tours radio ne me pose aucun problème. Et là, évidemment, gros souci, bien sûr, merci beaucoup. Alors, on retente. Pourquoi je n'arrive pas à sauter quand je suis là? Oui, pourtant ça devrait le faire, non? Pourtant c'est bon, hein. Eh mais, attendez, mais je rêve là. Mais c'est quoi ces conneries? Putain, ça peut m'énerver ça, je vous assure. Là, ça pourrait me faire jeter la manette dans la télé parce que... Allez, est-ce que je vais encore tomber une autre fois? Ou alors est-ce qu'il faut faire autre chose? Bon, écoutez, cette fois-ci, je vais vraiment sauter plus tôt. Maintenant... Oh putain! C'est l'histoire de l'homme en fait, voilà, le générique. Donc, je prends le poulet. Ouais, c'est ça, c'était l'histoire de l'humanité. Enfin, en fait, non, attendez. Non, en fait, le générique de Il était une fois la vie, c'était. Comment dire, c'était c'était l'évolution, voilà. C'était l'évolution de l'homme. Voilà, on voit de quoi on est parti, c'est-à-dire de rien. On voit toute l'évolution, toutes les époques, en fait, où l'homme a évolué. Et à la fin, en fait, on voit la. Terre par l'humanité. Donc c'était quelque chose quand même de vachement couillu à l'époque. En plus de ça, c'était un dessin animé quoi. Donc ils montraient ça dans un dessin animé. Je sais pas si vous vous rendez compte de la symbolique de la chose. Aujourd'hui, je sais pas si ce serait accepté, voyez, qu'on diffuse ça à la télé. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, c'était. Et donc c'était ce générique de ouf était sublimé. Je crois bien que c'est là que j'ai découvert la toccata. C'est grâce à ce générique que j'étais dit putain, la musique c'est un truc de ouf. Et par la suite, j'ai appris que c'était la toccata de Bach.
si vous l'avez pas vu, j'imagine qu'il doit être visible. Oh, oh putain, c'est pas vrai. J'imagine qu'il doit être visible sur YouTube ou Daily. Oh putain, il va nous faire chier lui. Voilà. Il doit être visible sur YouTube ou Daily, donc allez voir ça. Tapez « Il était une fois la vie ». Putain, saleté de buffle. Bon, mais du coup, bon, alors, tant pis, on va utiliser le barrette. Oulala, je crois qu'il bug, non? Regardez, il m'attaque. Il m'attaque. Trop fort. Oh putain, le con. Attendez, on va se remettre un petit peu de vie. Voilà, et puis on va se le faire avec le barrette, y a pas de problème. Voilà, il est pas gentil, il est pas ronron, je suis désolé monsieur le buff, mais boum, et voilà. Forcément là, il crève en un coup, hein. Le barrette, c'est radical, hein. C'est du calibre 50, et le calibre 50, ça fait des gros trous. Allez, go. On n'est pas mauvais là, on n'est pas trop mauvais. Oh merde. Merde, pourquoi ça vient de l'autre côté maintenant? Putain, et ça j'arrive pas à comprendre. Mais putain, mais je comprends pas ça. Des fois ça vient que sur un seul côté, des fois ça vient des deux. Franchement, je comprends pas ça. Ah putain, et voilà quoi. Je comprends pas ça. Putain, mais pourquoi est-ce que des fois ça arrive des deux côtés? Ah, c'est mort de toute façon. Putain, mais ça mène, on va un point. Ouais. Oh la vache. Mais quel con, j'ai encore truqué la truc. J'ai encore pété la chandelle. Oh mon dieu, au secours. Oh secours. Ah putain. Ah, ça fonctionne en fait en faisant comme ça. D'accord. Il faut que je pense à autre chose parce que ça m'exaspère trop quoi. Attendez, je vais augmenter mon son. J'entends que dalle de mon côté. Hop, hop, hop. Est-ce que vous voyez des ours, vous? Attends. Ah, ok, c'est juste en haut. Ils doivent pas être loin. Alors, par contre, tuer des ours avec le flingue, je sais pas trop comment je vais faire. Ah, il faut aller là-dedans. Oh, putain, en plus, ils nous demandent d'aller dans une... Ah, ils sont là. Oh, ils sont là. Oh, putain, ils sont là. Putain, ils sont là. Merde. Putain, recharge, dépêche-toi. C'est une blague là. Non, mais tu te fous de ma gueule là. Dis-moi, tu te fous de ma gueule. Mais attendez, c'est impossible. Quoi? Mais c'est possible. Oh. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Alors là, les mecs, ça va être super chaud. Ça va être super chaud parce que les deux sont juste à l'entrée. Ah non, 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 il est là. Ah, attendez. Merde. Il tire de l'autre côté. Ah, putain. Oh, putain. Juste ce qu'il me faut. Truc de ouf. Ah non. Oh putain. Oh non, 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 non. C'était ma chance. J'avais Louis XVI. J'avais Louis XVI. Putain. 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 J'en peux plus de ce niveau. Oh. Non, j'y ai cru. J'y ai cru, mais non. Bien joué, passe-partout. Bien joué. Si je peux en attirer un, alors ce qu'il va falloir faire, c'est se mettre au maximum de range. Voilà, ici. Là. On va bien viser. Oh. Merde, le con. Putain, mais c'est quoi, je l'avais pas vu.
pas aller dans l'eau. Attendez, on va aller par là-bas. On va aller par là-bas. Je sais pas s'ils peuvent aller dans la flotte, les ours. Oh, nickel. On l'a eu. Attendez. Je crois qu'on l'a eu. Nickel, nickel, nickel. Je crois qu'on a réussi, là. Ah ouais, on a trouvé un bon truc. Ah, il peut pas venir. Il peut pas venir, c'est bon, on va la voir. Ils sont résistants, hein. Merde. Non. Putain de merde, j'aurais pas dû faire ça. Attends, il est pas encore mort. Putain. Et heureusement, il me reste encore 58 cartouches. Ok, plus qu'un. Allez, il était par là-bas. Ok. Attention. On est parti. C'est parti. Putain, tu sais jamais ce qu'il va faire en fait. C'est ça le problème, c'est que... Putain, il vient sur moi. C'est pas vrai ce match. Oh putain de merde, c'est ma chance ça. Je vais pas avoir le temps de choper. Oh putain, j'adore. Je suis malchanceman de Fort Boyard. Oh, c'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Sérieux. Elle a trop de spots, la mort. Tu sais jamais où elle va. Elle peut aller au milieu, à droite, à gauche. Et tu sais jamais où elle va. Ça va être dépité là. Ah vraiment, hein. Ça avait super bien commencé. On a torché tous les stages d'un seul coup. Mission principale réussie. Quand je gagnais oh putain, faut que je dégage. Faut que je dégage. Elle est en feu. Elle va donc exploser. C'est logique. Attention. 5. Ah non. Et vous avez vu, le palmier a bougé aussi. Le palmier a bougé. Excellent. Et même quand je lui tire dessus, ce qui est un petit peu illogique, vous me direz. Regardez. Ah oui, regardez. Ah, ici. Regardez. Je peux carrément le mettre et je peux le faire bouger, vous avez vu, à 90 degrés. Alors, c'est pas tous les palmiers. Par exemple, lui, si je le fais, regardez, il se passe rien. Voilà. Pas... Ah si si, il veut, j'ai rien dit. Marrant, merde. Je suis là. Je suis là. Bourrinage. Bon. Heureusement, cette arme est plutôt sympa, comme vous venez de le voir. Ouais, donc plutôt sympa, même si bon, c'est pas très logique comme quand même qu'on puisse comme ça les bouger à 90 degrés. Oh terre, regardez, voilà. Eh, là-bas. Un incendie qui commence à arriver. Et ici aussi, peut-être. Non. Mais là-bas, ouais, regardez. Ah, ça y est, ça commence. Ah, moi, je vous l'ai dit, hein, j'adore ça. Bref, donc on va par là-bas. Putain, on est en train de se faire repérer par contre. Putain, pourquoi il reste là-bas? Oh putain, ça c'est... Oh putain, là j'ai bien joué. Oh putain. Oh putain de merde, j'ai du bol. Non. Si je m'étais pas fait toucher. Vous avez vu? Comme à chaque fois. Oh putain, le 2 qui apparaît. Attendez, on peut plus là. Ah, je peux plus là. Il faut que je pose le casque. Il faut que je fasse quelque chose. Absolument que je fasse quelque chose. Parce que là, vraiment... Thank you.
Ça va mieux. Ça va mieux tout à coup. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Ça va mieux. Voilà, voilà, voilà. On remet le casque. Voilà, 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 voilà. Ne pas s'énerver. Surtout ne pas s'énerver. Faut pas s'énerver. Faut pas s'énerver. Faut pas s'énerver. Ça sert à rien du tout. Faut pas s'énerver. Non, 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 ça sert à rien. Non. Non. Ça sert à rien du tout. Faut pas s'énerver. Ça sert à rien. Faut pas s'énerver. Faut que je la tire. Je vais balancer un caillou. Ouais, ça aussi, je vous l'ai pas dit. On peut balancer des cailloux. Est-ce qu'il l'a entendu? Non, il l'a pas entendu. Il était peut-être trop loin. Alors, on va le faire là. Merde! Quel con! Il a rebondi sur le truc! Quoique, attendez, si je peux la tirer par là. Où il va? Où il va? Où il va, lui? Aïe, 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 aïe. Non, viens pas par là. Oui, ça va être bon, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Voilà. Une furtivité. Ok, ça en fait un en moins. Voilà comment ça se passe. Mais c'est un peu plus subtil que sans bon timing avec les... Si, c'est bon. Là. Ça, c'est bon. Oh, ça, c'est bon, ça. Oh, nickel. Là, il est fait comme un rat. Il n'y a plus de méduse. Il va disparaître. Oh, oh, j'ai de la chance. Disparaît, mais disparaît. Voilà. Oh putain, alors là. Nickel. Ok. Full vie. Je vais y aller. Les flacons, mais alors dans tous les sens, ton dieu. Dans tous les sens, ton dieu. Des flacons attirent l'arigot. Mais putain, je peux même plus sauter. Faut que je me concentre. Pause. Concentration. 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 Allez, c'est parti. Hop. Let's go. Hop. 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 Mais qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Attends. Regardez-moi ça. C'est quoi ce bug? C'est quoi ce bug? Non. Un bug de ouf. Vous avez vu ça? Elle a été bloquée. Je suis deg. Je suis content, mais je suis deg. Parce qu'on l'a eu avec un bug. Je suis deg. Non. Hallucinant. Elle a été bloquée. Je l'ai bloquée. Hallucinant. Hallucinant. Sidérant. Sidérant. Après 5 heures passées ici, on tue la mort avec un bug. Je suis sur pause. Incroyable. Donc, du coup... Incroyable. Putain de la pluie maintenant. Oh putain, le con, je l'avais pas vu lui. Il y en a un autre en haut, vous avez vu, il est pas marqué. Alors la pluie est très... Oh là, là, on a vraiment pas de bol, putain. Il fait nuit et en plus il y a la pluie. Et la pluie est très mal faite dans ce jeu. Merde, c'est ce qu'il fait lui? Et où il va? Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Non! Putain, mais d'où ils sortent? Dégoûté, voilà. Eh ben, c'est un second fail, les enfants. Putain, c'est un second fail. Second fail. Et je suis bloqué. Putain, c'est top, c'est top, c'est génial. Oh, et en plus avec la pluie, alors là, vraiment... Renadonf. Oh putain, non, là ça passe pas. On va où là? Oh putain, oh, c'est ça qu'il faut faire, voilà. Il suffit de run à fond. Hein. Oh, stage 17. Eh mais les mecs, on va arriver à la fin. On va arriver à la fin. Oh putain, lui. Ouf. On va arriver à la fin. Incroyable. Je suis dégoûté de ce qui s'est passé avec... avec... Mais oh non, putain, pas ça. Oh non. Oh putain, en plus il se stuck dans les murs. Truc de ouf. Oh putain, non, pas ça, pas les passe-partout s'il vous plaît. Tout sauf ça, tout sauf ça. Bon, j'ai la montre, je peux arrêter le temps. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ok. Non. Oh putain. Attends, il faut que j'aille voir, il faut un poulet là. Oh merde, il est de l'autre côté le poulet. Enfin, je sais pas si c'est un poulet, mais en tout cas il y a quelque chose de l'autre côté.
Non, il va me toucher. Oh putain, truc de ouf. Bon, faut que je me concentre. Il faut que j'oublie la mort. Je suis déçu en fait. Je suis déçu de ce qui s'est passé, c'est incroyable. Incroyable quoi. Il faut que ça m'arrive à moi. Un bug. Je suis... Putain! C'est passe-partout, je crois que je n'aurai jamais trouvé de technique fiable en fait, du début à la fin. Pas une seule fois. Là, on va attendre qu'il saute dessus. Non, je l'ai raté, putain. Oh, oh d'accord, c'était splendide. Allez, viens! Non, non, là, allez. Non! Et voilà. Ah non, mais c'est n'importe quoi. Tu te fais toucher, tu sais même pas pourquoi. Allez, la seringue! Ok, j'ai enfin pouvoir prendre mon RPG. Mais... Bon, allez, c'est bon, j'en ai marre, je me casse. Putain, je vous jure. Ah, c'est pathétique, là. Ah non, mais c'est pathétique, mais alors... Allez, vite. Vite, 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 mais démarre, mais putain! J'y crois pas! Ah non, c'est énorme. Ah, c'est énorme, ou c'est énorme, ou j'ai même pas réussi à prendre le bateau. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est encore une vidéo d'anthologie de la médiocrité qu'on est en train de vivre. Mais recharge-le, ton RPG! Putain! C'est bon? Mais je te fais toucher, tu sais pas d'où. Je sais pas d'où je me fais toucher, quoi. Je sais pas. Je comprends pas. Oh! Putain, mais... Espèce de satanas! Oh, putain. Oh, putain, c'est bon, c'est vu. Putain. Oh, putain de merde. Mais non, je vais prendre feu, maintenant. Je vous jure, c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer, les mecs. Je crois que c'est ma pire prestation ever. Pourtant, je suis souvent mauvais, hein. Mais là... Oh, putain. Comment je fais, là? Oh, putain, la vache. Oh, ça l'a énervé, lui. Oh, putain, j'ai paumé l'item, en plus. Ah non, c'est bon. Oh, oui. Mais c'est quoi, cette connerie, là? Qu'est-ce que c'est que ce piège à con? N'importe quoi! Voilà, ça c'est le genre, voilà, genre de conneries, vous voyez. Porte Nawa. Putain. Ok, donc là. Putain, je me fais tirer dessus. Et, ah, ok, d'accord, je suis à moitié mort. Je me suis fait écraser par mon propre véhicule. Ah, il était là. Et voilà, il était là. Alors, est-ce qu'on a réussi? Non, toujours pas. Voilà, hop là, une petite. Oh putain, il y a encore un hélico? Non, tu fous pas de ma gueule là. Mais il est où? Il y a un hélico qu'on entend, qu'on voit pas. Putain, j'en peux plus là. Oh putain, j'en peux plus là. C'est la première fois, putain, c'est la première fois qu'il se passe ça. Pourquoi? Ah, j'ai crevé. Ok, j'ai crevé. Je vais crever. Et bien voilà, je suis mort. Bon. Là, faut que je me calme. Waouh. Faut que je me calme, là. Waouh. Extraordinaire. Je crois que j'ai jamais été aussi nul. Jamais. Jamais. Un truc de fou. Y'a rien à dire. Bien, le fil du micro qui se coince dans le truc. Oh putain, les mecs, je vous jure. Donc là, normalement, on a eu un checkpoint. On recommence juste avant. Et tous les ennemis ont dû revenir, non? Ah, c'est ça. Tous les ennemis sont revenus. Les castels. Voilà. Alors là, par contre, il faut pas que je prenne cette chandelle. Merde. Ah putain, faut que j'attende maintenant. Alors, j'ai utilisé le chrono. Chrono! Qu'est-ce que c'est? Je l'ai utilisé pourtant. Chrono! Mais ça marche pas! Chrono! Mais c'est de la merde. Attends, ça marche pas. Chrono! Mais chrono!
Ah mais non, c'est parce que j'ai pas assez de... En fait, je l'utilise pas. Ok, d'accord. Non, c'est parce qu'en fait, j'ai pas assez de cœur. Voilà, vu qu'il faut 5 cœurs, c'est ça le problème. Ouais. Mais je peux pas viser, je n'ai plus mon sniper. Oh, regardez. Il y a un tigre qui est en train d'attaquer des buffles. Je crois que c'est des buffles. C'est sympa, ça. Toujours comme ça, des petits événements aléatoires. Et d'ailleurs, les animaux peuvent nous aider lors de la prise des avant-postes. Alors, où est-ce qu'il est? Oh, c'est mon foire aussi. Ouais, c'est bon. Là, j'ai une arme qui est tellement puissante que forcément, il ne peut pas faire long feu. Donc, c'est par là-bas qu'on me demande d'aller. Qu'est-ce que je vous disais déjà? Je sais plus. Ça commence à faire tellement de temps et tout. Mais j'ai tellement envie de continuer à jouer, histoire de s'en montrer le maximum. Voilà, et là, il le fait un petit peu plus vite. Juste au-dessus. Eh ben, dis donc. C'est un balèze, celui-là. Ouais, il m'a trompé. Il m'a fait mentir. Parce qu'honnêtement, je le voyais pas tout à l'heure, là. Je m'étais dit, voilà, il a l'air facile. Eh ben non, pas vraiment. Boss. Mais qui sont... Elle me plaît, ta voiture. Allez. Descends. Oula. Oh, ce bug. Oh, elle est en train de se faire dévorer par un monstre. Énorme. Oh, le bug de ouf. Eh, alors là, bug de ouf, là. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait, là-bas? Lui aussi, il se demande ce qui se passe. Excuse-moi. Eh, il y a eu une espèce de bug, là. On aurait dit qu'elle était en train de se faire dévorer par un monstre dans la voiture. Oh, c'était épique. Est-ce que je peux la prendre maintenant? Hop. Hop là. Ouais, c'est bon. En espérant que le monstre ne va pas venir me dévorer. Voilà, elle a un problème, cette bagnole. Elle avance pas. Non, laisse tomber. Elle a un petit souci, cette bagnole. Je sais pas ce qu'elle a, mais... Ah oui, d'accord. Je vois très bien le problème. Je crois que je vois très bien le problème, là. Je crois qu'il faut l'éradiquer. Et toi avec. Voilà. On va reculer un petit peu. Et on dit bye bye. Oh, oh putain. Oh merde. Merde, c'est quoi ça? Putain, je me fais shooter. Je me fais shooter par les rakiats en plus. Attendez, je vois. Là. Oh putain, attendez. Le bug n'est pas fini, les mecs. Le monstre lui en veut. Oh putain. Les mecs, je crois que le monstre lui en veut. Ah ouais. T'as un petit souci là quand même. Hein. Marrant comme bug. On va retenter une explosion, tiens. Hop. Hop. Et ici aussi. Hop. Voyez un peu. Un thème unique, hein, bien sûr, mais... Ouais, voilà. Ah, il est chaud, lui, hein. Eh, oh, là, putain. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi dur. Ah, le thème des donjons du premier Zelda. Putain. Ça fait quoi, déjà? Incroyable, un thème absolument, totalement mythique de A à Z, putain. Ah, putain. Ce putain de thème. Et même dans Zelda 2, d'ailleurs, dans Zelda 2, le thème est différent. Mais là aussi, les Nintendo sont complètement surpassés. Les thèmes sont... Putain, c'est fou comment il faut être précis, quoi. Allez, c'est bon, tu peux me tuer, c'est pas la peine. Ah putain, le thème des donjons du premier Zelda et du Zelda 2 énorme ici. Mario Bros 3, t'en as quelques-unes énormes aussi. L'intro des deux dragons, comme ça. Ah, où est-ce qu'elle est passée? Elle est toujours là, hein. Ouh là là, ça doit faire mal là. Bon, allez, on arrête.
mon petit bug. Allez, on va choper. On va choper la lettre et puis on s'arrêtera là. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Pourquoi il s'enfuit? Je crois que je lui ai fait peur. Hein. Pas grave. Putain, c'est un truc de ouf. Ouais. Parfois tu tombes sur des putains de mélodies. La lune dans DuckTales, bien sûr. Là c'est le thème mémorable par excellence. Moon dans DuckTales. Je crois qu'on se souvient tous de ce thème là. C'est peut-être l'un des thèmes qui a eu le plus de remix depuis que Internet a vu le jour. C'est la mélodie. C'est juste la mélodie qui est super entraînante. Incroyable. Les sens avec Moon de DuckTales. Oh, et puis il a fait trop c'est chaud hein. Ah j'étais trop proche. Oh nom de Dieu, c'est pas vrai, j'y arrive pas. Ah j'ai du mal hein. Ah putain je suis à une mauvais côté. Putain. Et là j'étais. Putain j'ai sauté trop tôt, il a envoyé les boules en haut. Je sens que mes réflexes ont diminué, c'est ça le problème. Putain c'est ça le problème. Je sens bien que mes réflexes ont diminué là. C'est ça le souci, c'est. En fait, il se passe exactement la même chose qui se passait, je crois, dans Castlevania 4 avec Dracula, c'est que j'y arrivais de moins en moins bien parfois parce que j'étais tellement fatigué en fait que. Et voilà, c'est tout, c'est les réflexes qui diminuent et c'est ça. Bon, c'est bon. Là, je fais pas grand chose, hein, je dois dire. Attendez, je suis mort ou... Ah non, c'était normal. Ok, d'accord. Oh là là. Alors, ça, c'est une des phases que j'aime pas trop. Vous allez voir, c'est spectaculaire et tout. Ah merde. Putain. C'est spectaculaire et tout. Mais il n'y a pas grand chose à faire. On se dirige à. Putain. Voilà, alors je vous dis qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais je viens de m'empaler sur une pique. Mais alors, m'empaler. Pas comme peu, hein. À mon avis, ça doit faire mal. Donc, on va essayer de faire gaffe. J'allais vous dire que c'est très simple. Jusque-là, c'est vrai que je ne suis jamais mort dans ce genre de phase. Mais là, apparemment, on peut crever. Donc, je vais essayer de faire gaffe. On va essayer de bien aller à droite ou à gauche. Là, on va à droite. Clairement. Donc, on va refaire. Je remettrai tout ça en accéléré. Et on se retrouvera quand il sera à un point de vie. One point les mecs, one point. Ah putain, presque là. Là je vais pas prendre de risque. Concentration, non, là non plus. Faut pas que je vous parle, je dis rien. Ah. Voilà. Ok, donc là attention, il va popper là-bas. Y aller direct. Voyons, hop, c'est pas mal. Donc là il va sauter, il fait le grand saut, hop. Par contre, ah putain, j'aurais dû y aller là. Mais comment on est censé savoir là? Ah mais comment on est censé savoir, putain? C'est un truc de ouf ça. Bon, il est faisable en fait.
putain, j'y crois pas, j'ai réussi en plus à parer ses boules. Comment on sait s'il fait un grand saut? Ah là, par contre, à mon avis, il va finir à faire un grand saut. Bon, je vais me préparer. Oh putain, nickel! Oh putain, nickel! Il est faisable. Il... Oh nickel, en plus, j'ai ça. Oh, c'est bon ça. Là, je pense qu'il va faire le grand saut. Donc, on va se préparer. Allez, fais-le. Oh putain, ça c'est bon ça. Oh putain, ça c'est bon ça. Saute, saute. Oh putain. Oh putain, je suis bon là. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Je crois qu'on l'a eu. Oh putain, excellent. Oh, mais vous savez quoi, comme quoi il était pas si difficile que ça. Et je l'ai eu en peu de coups, hein. Excellent. Oh génial. Bon, j'imagine que c'est fini. Ouais, c'est sûr. Ah, je suis content. Oh putain, je suis content là. Oh putain. Il est 3h30. Fin de l'épopée. Oh, excellent le ending. Ah, oh, exactement comme celui de... Comme les autres en fait. Sauf que là, c'est en version 8 bits. Génial. Avec le château de Castlevania, le château de Dracula qui s'effondre. Sûrement aller en... Bref, on s'en fout. Allez, je monte en haut. Et puis je crois qu'on va pas se tarder à se laisser là. Liquidez-la, hein. Ouais. Oh putain. Oh, encore un gunfight. Encore un gunfight. Abandonne. Pas question, salopard. Non, je t'abandonnerai pas. Je t'abandonnerai pas. Oh putain. Ouh. Ok, il balance de la dynamite. D'accord, d'accord, d'accord. Il balance de la dynamite. Saut. Putain. Bon, peut-être que j'ai eu de la chance par contre quand il envoyait ses boules. Parce que je me faisais jamais... Enfin, j'ai réussi à les parer à chaque fois. Ah, je suis content. Franchement, je suis content. Voilà. Ah, mais ça reprend. Attends, c'est quoi ces conneries là? Ah là, ça reprend direct. Ça reprend direct, eh. On revient même pas sur l'écran de titre en fait. Tiens. Ah, peut-être que c'est plus difficile. Ah, c'est possible. Non, pourquoi j'ai pris ça? Attends. Peut-être que c'est possible. Un second run. Non, j'y crois pas. C'est... Mais oui. Attendez, il me semble pas qu'il y avait ça. Ah. Oh putain. Attends, 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 attends. Eh. Ah, il me semble pas qu'il y avait... Il me semble pas qu'il y avait les chauves-souris, hein. Ah, il me semble pas qu'il y avait les chauves-souris, hein. Non. Il n'y avait pas les chauves-souris tout à l'heure, hein. Oh, putain, il y a un deuxième loop. Oh, il y a un second run, comme dans les... comme dans les Ghosts and Goblins. Non. Oh, putain. Incroyable. Alors là, franchement... Putain. Oh non, 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 non. Oh putain. Oh, je suis mort. Hallucinant. Oh, mais putain, c'est impossible à esquiver ou quoi? Incroyable. Bon, attends, on va mettre sur pause quand même. Incroyable. Eh ben, il y a un second run. En fait, on n'a pas fini Castlevania. Ou alors on continue. Non, je peux pas. Je peux pas continuer. Je peux pas continuer. Je peux pas continuer, j'ai trop mal. Trop mal à voix, trop mal au dos aussi. Oh. Donc, non, non, on va s'arrêter là. Donc voilà, que dire. Donc que dire sur Cast. Est-ce que je vous ferai une petite conclusion? Le Ranger. Ah ben non. Donc là, on a gagné. On a gagné. On a gagné. Tout à l'heure, on avait perdu. J'étais avec les Gears. Voilà, ça a duré 13 minutes 22. Ah ben non, you lose. Ah ben non, dis donc, j'ai perdu. Ah non, j'ai perdu. Ah, quelques clignotements, même si là je dois bien avouer qu'il n'y en a pas beaucoup, qu'on a vraiment fait du bon boulot. Mais oui, le jeu est bon, quoi. Le jeu est quand même assez long. La difficulté est bonne. Ah ouais. La difficulté est vraiment bonne, surtout là dans des. Du niveau 13 au niveau. Oh putain, mais stage 20! Stage 20, oh! Loul! On n'est pas au stage 1, on est au stage 20! Ah, mais c'est ça, c'est vraiment un second run! Stage 20! Trop fort! Stage 20, putain! Ça me donne envie de continuer ces conneries, hein! Stage 20.
Putain, ça me donne presque envie de continuer. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Bon allez, on continue. Eh, 30 minutes, voilà. Juste le temps. Parce que la vidéo, elle en est à combien, là? 1h10. La vidéo en est à 1h10. Oh, allez, on continue. Eh, je vais tenter pour voir, juste pour voir les différences. Donc là, attention, voilà. Ici... Non, putain! Ah, ça a l'air plus chaud. Déjà, s'ils nous ont mis des conneries de chauve-souris... Oh putain, il y en a partout apparemment. S'ils nous ont mis comme ça des chauves-souris... Oh putain, il attendait que je m'avance pour me foncer dessus. S'ils nous ont mis comme ça des espèces de chauves-souris partout... Ah ben, je peux vous dire que rien qu'avec ça, déjà, la difficulté se voit grandement augmenter. C'est une évidence. Donc du coup, je vais avancer.